Salut les chevelus et les autres, vous allez bien? Je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo, ça doit faire à peu près 5 mois. Pendant ce temps-là, j'ai vu que vous étiez maintenant plus de 200 à être abonnés à cette chaîne. Donc c'est plutôt cool, merci à vous. Alors, que je vous explique, la vidéo qui va suivre, Canal+, ça a été assez sympa pour me filer les droits d'exploitation des images jusqu'à fin juin. Donc je compte sur vous, là on est fin mars, on est mi-mars, fin mars. Je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo et laisser un maximum de pouces bleus, voir ce que ça peut donner. Et je vais arrêter de faire aussi toutes les 30 secondes. Donc, regardez la vidéo. D'ici à la fin de la semaine, je vous promets une vidéo un petit peu plus longue où je vous explique comment je suis arrivé sur cette émission. Donc, d'ici là, d'ici à, on est quoi? On est mercredi aujourd'hui, d'ici à vendredi soir. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Des questions, je vais prendre les questions intéressantes. Oui, je sais. Peut-être beaucoup demandé à des métalleux. C'est pas grave. Donc, si vous avez des questions plutôt intéressantes et rigolotes, posez-les-moi dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre dans la vidéo d'ici à la fin de la semaine. Voilà, ciao les chevelus, à plus! Chez nous pour leur passage en France et avec un public exclusivement composé de fans de Metallica. Alors je voulais juste préciser, parce que autant le dire à l'antenne, ils sont arrivés cet après-midi, c'est des vraies stars et ils ne se comportent pas comme des stars. C'était super agréable de les avoir ici en répète et tout. C'était top. Un autre fan, Bertrand, qu'on va accueillir sur ce plateau. Le club français Weeping Dancers. Et Bertrand, qui a passé la journée avec nous, il nous a aidé à préparer cette émission. Et en plus, tu as un petit cadeau pour Metallica. J'ai d'abord une question et après j'ai un cadeau. Ouais. Tu fais dans l'ordre. Si la réponse me convient, je donne le cadeau. tout à l'heure. Oh. D'accord. Yeah. Ah, c'est un quiz. Lars, tu disais tout à l'heure que vous aviez fait tous les festivals de la Terre. C'est pas vrai. Il y en a un que vous n'avez pas encore fait. C'est le Hellfest, qui a lieu tous les ans à côté de Nantes au mois de juin. Ouais. Et ma question, c'est quand est-ce que vous venez? Bon, d'abord, il faut qu'on soit invité. Ce sera faut qu'on nous invite. Donc d'abord, il faut nous inviter et ensuite, on va voir si ça cadre avec notre planning et on fera tout ce qu'on peut pour y être le plus rapidement possible. Notre manager, Peter, est quelque part, il rôde dans les coulisses et je suis sûr qu'il est en train de nous écouter. Et là, il est en train de dire « Oui, carrément, il faut faire venir Metallica au Hellfest ». Non, mais le pire, c'est que votre manager, on l'a entendu crier en coulisses. Yes, c'est pas si c'est d'accord. C'est ce qu'il fait de temps en temps. Il crie beaucoup. Et le Hellfest, c'est ton festival à toi? C'est toi qui organises? Non, mais ça fait 7 ans que j'y vais. You're just a fan. Non, t'es juste fan. Ouais, mais comme ça fait 7 ans, il considère que c'est un peu son festival. C'est un peu ton festival à toi, alors. Allez, le cadeau. C'est pour ça que je te tiens le micro, parce que faut que tu j'ai un cadeau. Alors, vous avez eu des livres. Moi, je vous amène de quoi décorer votre studio. Donc, je fais partie du Weeping Dancers, donc, qui est le fan club français du Met Club. Enfin, l'antenne française du Met Club. Donc, voilà. Magnifique. C'est un drapeau qui est basé sur la cover du live au Bataclan. Oh, that's great. C'est super. Liberté, égalité, fraternité, Metallica. Merci. Donne-moi ça. J'adore. Reste là, tu veux une baguette? Ah, il va le mettre sur la batterie, là. Tiens, pendant que Lars... Ah oui. Ah ouais, non. Génial. Oh, laisse-toi. Oui, il va pas s'en remettre. Ouais.
Merci. Bertrand, il va se réveiller demain. Hein, tu vas pleurer demain matin. Tu vas te rendre compte de ce qui s'est passé. So Lars, you can play with one stick? Yes, I can. Tu peux jouer avec une baguette, c'est vrai? Oui, oui, bien sûr. Il faut, on va pas vous obliger à venir partout, parce que, enfin, moi, j'aimerais bien vous inviter à bouffer chez moi, par exemple, et vous viendrez pas.